J'ai la chance d'habiter un pays idyllique, quasiment idéal, au bord de l'eau, au pied d'une colline ensoleillée, quasiment toute l'année. Et j'habite une commune où il se passe plein de choses et où ça bouge et où c'est dynamique et où il y a une équipe à la tête de cette ville, une équipe municipale jeune, motivée et dynamique. Et cette équipe est elle-même menée par quelqu'un de dynamique et de motivé. J'ai pas dit jeune parce qu'il a le même âge que moi, donc je me moquerai pas. Et quand je me réveille, j'ai la chance de m'apercevoir que ce rêve est une réalité et que cette réalité, on la doit vraiment à cette équipe de toute beauté. Je vous propose et je vous demande d'accueillir très fort toute l'équipe de la municipalité de Chiavalley, emmenée de main de maître par celui qu'on appelle le patron, Philippe Leonelli. Je vais pas parler tout de suite, moi. Alors je m'assieds un peu Olivier parce que c'est lui qui commence. À cet instant, je souhaite que nous ayons une pensée pour toutes les victimes des attentats du mois de janvier et novembre 2015. Tout a été dit sur ces tragiques événements. Je n'y reviendrai pas. Mais par contre, je sais que nous sommes toujours debout et que nous devons rester forts et unis. Personne ne nous dictera notre façon de vivre. Continuons de sortir, de rigoler, d'aller au spectacle, d'aller au restaurant. Faisons tout ce que ces monstres n'aiment pas. Soyons fiers de nos couleurs, soyons fiers de notre devise et crions haut et fort, vive la France. Philippe, mon ami, monsieur le maire, au nom du conseil, je te présente tous mes meilleurs vœux de bonheur pour cette année 2016, en y associant ton épouse, Tony, ton fils, Mathieu, et ta maman Ginette, ainsi que toute ta famille. Que 2016 soit pleine de bonheur, de joie et de santé. Mesdames et messieurs, bonne année 2016. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vive la France, vive Cavalère. Et puisque nous sommes en Provence, Lungomai, Alain Kevin, Kessissian Pamay, Kessiegien Pamay. Un grand merci à Vincent pour son ouverture. Merci Vincent, comme d'habitude, tu nous as fait un truc à la Vincent. Olivier, merci toi aussi pour ton intervention. Merci pour ce que tu as dit. C'est simple, c'est concis et c'est très bien, comme tu le fais au quotidien. Ami Cavalleyrois est venu d'ailleurs. Vous qui me connaissez, vous qui savez mon attachement à ce rendez-vous annuel, je veux qu'il soit aussi festif que chaleureux. Festif comme les cavaliers, chaleureux comme le sont nos rapports et l'amitié qui nous lie. Vers matin, en début d'année 2015, après avoir suivi l'ensemble des vœux des maires du Golfe, titré dans un article de Nicolas Sabatier, je crois d'ailleurs présent ce soir, intitulé « Notre palmarès des vœux des maires de la communauté de communes » et me décerner le prix du bonheur de tout le monde. Se référant donc à une phrase que j'avais prononcée, que je vais vous redire, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que je ressens à cet instant. Eh bien oui, Nicolas. Elle est bien d'actualité, cette phrase. Ça n'a pas changé. Je pense toujours la même chose. Mon bonheur est intact, indemne. J'ai toujours la même immense et le même immense plaisir à être là, devant vous, avec vous, ce soir. Je voudrais commencer cette intervention en souhaitant mes meilleurs vœux à tous les Cavalleyrois, ceux que je croise tous les jours et ceux que je croise bien moins souvent maintenant depuis que je suis élu. Simplement parce que le temps me manque, oui,
c'est une des conséquences de notre mission, je dirais. Il nous manque souvent du temps. Voilà. Souhaitez mes vœux aux personnes touchées par le malheur, la perte d'un être cher ou par la maladie, ceux qui aimeraient et qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas ou pas assez, et dont les jours se ressemblent et sont souvent difficiles à vivre. Souhaitez mes vœux à tous les cavalérois, résidents, de passage, enfants, jeunes, actifs, retraités, mais aussi aux bénévoles, qui œuvrent quotidiennement à travers toutes leurs associations patriotiques, culturelles, sportives, et qui font perdurer la mémoire, animent et font bouger notre ville. Présentez mes vœux à toutes les personnalités présentes, bien sûr. Olivier Cornat, mon ami, mon premier adjoint, il vous l'a dit tout à l'heure, et moi je rajouterai mon premier adjoint de valeur. De valeur comme j'aime à le nommer pour le taquiner. Je fais du sport avec lui. Vous l'avez vu dans le clip, on a souffert à la Rosalie Cup. On n'en fait pas assez souvent. Croyez-moi, la tâche que je lui confiais n'est pas la plus aisée, et c'est d'ailleurs pour ça que je lui ai confié, parce qu'il est de valeur. Merci Olivier d'avoir présenté tout le monde. Souhaitez mes vœux au maire, mes amis, ces élus de proximité, ceux qui, comme moi, sont au plus près de leurs administrés, dans leurs communes respectives. Ce sont mes partenaires au sein de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez et du syndicat des communes du littoral varois. Une année que je n'ai aucun regret à quitter, tant le monde est devenu fou. Un monde devenu insensé, contre lequel nous devons résister. Oui, résister pour simplement vivre mieux. Car si l'on écoute certains, plus de crèches dans nos mairies, plus de feux d'artifice dans nos villages ou dans nos villes, et peut-être même qu'un jour, pour ne pas faire de vagues, pour être politiquement correct, il faudra peut-être démolir nos églises. Non, moi j'en veux pas. Car ne l'oublions pas, nous sommes chez nous, en France, et quant à moi, je me refuse à un choix obligé entre les fous qui tuent nos policiers et les terroristes qui tuent nos enfants. Pour moi, c'est pas possible. Je voudrais aussi vous dire bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, et qu'il vous arrive rien de grave dans la vie. Comme monsieur le maire, j'aimerais revenir un instant aux événements qui se sont passés, qui m'ont profondément touchée et qu'il ne faudra jamais oublier. Les attentats à Paris et également le feu au port et bien sûr aux deux Christophe. Mais ma maman m'a toujours dit de regarder droit devant pour créer un bel avenir de cavalière. Ne cultivons pas les différences politiques. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, car il a certainement des raisons de le faire. Ne faisons pas des différences de religion et de culture des peuples des sujets de conflit. Au contraire, servons-nous de tout cela pour progresser. Sur ce sujet, là encore, nous pouvons penser différemment, chacun son droit, et cela s'appelle la tolérance. Aucun crédit ne doit être accordé à la violence, qu'elle soit au nom d'un mode de pensée, de la politique ou de la religion, afin que les hommes ne servent pas de cela pour en tuer d'autres. Pour finir cette allocution, le conseil municipal se joint à moi pour vous transmettre nos vœux les plus sincères, nos vœux les plus vrais. Ils ne contiennent que des mots d'apaisement, des mots de réconfort, d'amour et de partage. Nous vous souhaitons tous, ensemble, la santé, le bonheur et l'accomplissement de vos rêves les plus fous pour cette année nouvelle. Merci.